On pourrait être à Madagascar ou je ne sais où. En tout cas, on est à La Réunion là. On est à La Réunion et donc je vais pénétrer dans un coin de La Réunion qui s'appelle Grande Fontaine et c'est par là derrière. Je vais prendre ce chemin. En attendant, j'ai vu cette vache et c'est bien représentatif d'un saut de 20 ans en arrière ou 30. Quand on passe ce chemin, on va dans la Réunion ancienne. Donc là, il y avait même un oiseau sur le dos de la vache. Alors, je ne sais pas s'il lui fait les parasites. Mais enfin, voilà donc la vache qui broute. Qui broute la canne à sucre, des herbes diverses. Regardez-moi ça, ces petits cocotiers. Et là, c'est une sorte d'autoroute qui passe derrière, qui conduit à Saint-Denis. La route en corniche par là-bas. Alors je vais traverser. Je vais essayer de passer. Voilà, là il y a l'étang Saint-Paul, une partie. Alors nous allons faire demi-tour et on va rentrer dans étang, enfin c'est Grande Fontaine. Là je vais faire un petit écart sur la gauche parce que c'est des petits endroits. Il faut s'imprégner, aller les chercher. Voilà. L'étang Saint-Paul qui se prolonge là-bas et on va le voir là. Voilà, il y a beaucoup de cocotiers par ici. C'est un autre monde, hein. C'est la Réunion longtemps, la Réunion d'avant. Voilà, les boutiques sont fermées, mais... Alors là, on y va, on avance. Alors... Deux mondes séparent ce pont là. On avance. Bon, les boutiques sont fermées, puis aller là et ça s'ouvrira plus tard. Alors, coiffure mix par ici. Là-bas, il y a un rasta qui vend des légumes. On n'ira pas cette fois-ci. Alors, on va aller voir cette. Chaussée déformée, danger. Là, il y a plein de radiers, oui. Quand il pleut, c'est difficile. Alors voilà, dans mon droit, un graffiti, l'activiste. GVO. Alors, ça s'appelle le chemin des tours de roche. C'est là où on va. Alors, il y a le stade de Grande Fontaine. Il y a des radiers, donc, quand il pleut. C'est submersible. Et là, donc, on avance. Les vieils arbres anciens. Ici, il y a quelque chose comme j'appellerais une... Enfin, il me semble que ça pouvait être un lavoir avant, un lavoir ancien. Alors, mairie de Saint-Paul, baignade interdite. Je ne sais pas à quoi ça servait, c'était un lavoir, enfin bref. Alors nous, en fait, on va derrière, là. C'est un coin un peu sauvage. Regardez-moi ce haut cocotier, là. Ouais, c'est vraiment un coin de cocotier par ici. Voilà, la nature sauvage, là-bas, il y a des petits écarts où on se rapproche de l'étang, du début de l'étang. Voilà, des songes, pieds dans l'eau, pieds de songe. Et là, derrière, on va terminer là-dessus, c'est la médiathèque de Saint-Paul qui sont en construction et que le nouveau maire Sylvie Mallet veut transformer en centre d'affaires. Alors qu'il y a tellement d'enfants à La Réunion qui profiteraient de cette médiathèque magnifique. Voilà, on va terminer ici, dans les cannes.